Salut Justix, c'est Vanaxul et bienvenue dans la passionnée de musique découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux et on balaye tous les styles musicaux, il y a du bon partout donc on va pas se priver. N'hésitez pas d'ailleurs à suggérer en commentaire des choses auxquelles vous voudriez que je réagisse dans tous les styles. Forcément dans le métal je vais plus facilement trouver des trucs moi-même pour React. Maintenant dans les autres styles j'ai moins de connaissances donc n'hésitez pas vraiment à bombarder en commentaire, c'est toujours agréable. Aujourd'hui je voulais écouter avec vous Hippotractor avec le morceau Stasis qui est sorti il y a pas longtemps. C'est sorti chez Pelagic Records, donc le label qui produit entre autres The Ocean et plein de groupes, j'ai que ça en tête, mais Pelagic Records produisent énormément de groupes. J'avais écouté un vieux morceau d'Hippotractor à l'époque où je faisais encore des lives sur Twitch qui s'appelait Manifest the Mountain. C'était trop bien, j'avais trop kiffé, j'ai vu ça passer, j'ai dit c'est gagné. Donc ça dure 8 minutes, donc on va pas tarder, hein. Ça va envoyer du lourd, j'espère, je le pense. En général, il y a une très très grosse production, donc curieux d'écouter ça. On part pour un petit voyage de 8 minutes ensemble, et allez, c'est parti. Voilà. Bien lourd. Tu n'es bien bas, là. Il faut pas se laisser avoir, c'est pas parce que c'est une 6 cordes. Maintenant, il y a des pitchs, des octaveurs et tout, il y a plein de pédales. Bien lancinant, bien lourd là. La branlée. Limite Doom, tu vois. Oh, c'est oui. Oh, c'est oui. Déjà, au bout d'une minute, c'est oui. Les contrastes. Je dis toujours, très souvent ça dans la musique. Les contrastes, c'est très important. Et là, on est ce qu'il faut, quoi. On est servi. Tellement sous-côté, ce groupe. C'est incroyable ce qu'ils font. Travail rythmique est fou. En lo-fi avec un filtre là. Oh, les clean. Écoute ça là, la branlée. Ouh. Incroyable. Quel morceau, bordel! Le fait qu'il chante à deux, il y a des harmonies aussi. Très très fort.
Et même, tu vois, les sonorités, les tons utilisés sur la guitare fonctionnent bien, tu vois, pour chaque passage. Là, un peu crunchy, avant on avait un clean. Ok, le jazz. Truc très progressif, très... Ouais, jazzy limite. Ouais, un peu de chromatique là dans le... Un peu de chromatisme dans le solo. Du coup, ça donne un côté très jazzy. Le build-up au niveau rythmique, la basse batterie. Feels là sur la batterie, gros build up. Ah, je veux qu'il me casse la gueule à la fin. Vas-y, bute-moi. Limite black metal dans la voix à ce moment-là. Ah, j'aime bien, on entend bien la basse aussi. Légendaire. Morceau est légendaire. Incroyable. Hypotracteur avec Stasis. Faites tourner. Incroyable. Légendaire. Un de mes top 10 de morceaux de l'année, c'est sûr. Faut que j'aille écouter si c'est tiré d'un futur album ou d'un EP ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, juste légendaire. C'est tiré de leur nouvel album Stasis qui sort le 7 juin. Probablement, il sera sorti à la date à laquelle je publie la vidéo. Mais c'est incroyable. C'est un groupe apparemment néerlandais par rapport au nom. Ou belge, partie flamande, très très chaud, c'est incroyable, genre j'ai rien à dire, c'est les rejetons, les enfants de Cult of Luna, Isis et tout ça, ouais, Pelican, tu vois, The Ocean aussi, il y a un mood comme ça, c'est très fort, c'est très puissant, il y a beaucoup de contrastes, ils ont vraiment su digérer leurs influences et en faire quelque chose qui leur ressemble avec cette voix vraiment qui viennent s'harmoniser, qui viennent donner de la puissance, de la rondeur, de la grosseur. À un moment, il y a cette voix qui est plus black metal, des moments des chants clairs. On a ce côté un peu solo, un peu jazzy. Franchement, c'est 10 sur 10. C'est incroyable. C'est fait avec goût. C'est fait avec intelligence. Tout est bien pensé, tout est bien fait. Et en même temps, c'est viscéral. T'as un truc puissant comme ça. Ouais, je vais aller écouter l'album, c'est trop fort. J'ai que des qualificatifs, des superlatifs pour décrire ce que je viens de voir. L'album s'annonce de fou. J'avais écouté, comme je disais, Manifest de Mountain qui était incroyable.
j'étais passé à côté de ça. C'est vraiment trop fort, c'est incroyable ce qu'ils nous sortent. Pelagic Records qui signe encore un groupe incroyable et qui nous envoie vraiment dans les stratosphères de la musique. C'est vraiment top 10 de l'année pour moi. En tout cas, ce single est incroyable. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à la prochaine, Loustic. Ciao, des bisous.